Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le principe d'un titrage colorimétrique. Alors ici, c'est un titrage colorimétrique d'oxydoréduction. Donc vous savez que pour réaliser un titrage, il faut que la réaction soit rapide, totale et spécifique. C'est-à-dire que le réactif que l'on va mettre dans la burette, qu'on appelle le réactif titrant, doit réagir spécifiquement et uniquement avec l'espèce à titrer donc, qui est dans le bécher, dont on veut connaître la concentration. L'objectif d'un titrage, c'est de déterminer la concentration d'une espèce qui est donc contenue dans le bécher. Donc ici, vous avez donc le montage, vous avez donc une burette graduée. La burette graduée contient toujours le réactif titrant, dont on connaît la concentration. Et dans le bécher, le réactif dont on veut chercher la concentration, qui s'appelle le réactif titré. Le but de l'expérience est de déterminer le volume à verser de réactif titrant, qu'on appelle le volume équivalent, puisque à ce moment-là, on sera à l'équivalent, c'est-à-dire que les deux réactifs auront réagi dans les proportions stoichiométriques. Donc, à partir de là, je vais réaliser le titrage. L'équation de titrage est écrite au tableau. Donc ici, on va essayer de trouver la concentration en ion Fe2+ d'une solution de sel de mort grâce à un réactif titrant qui s'appelle le permanganate de potassium. Donc ce sont les ions permanganate, MnO4- qui vont réagir avec les ions Fe2+. Alors pourquoi est-ce que c'est un titrage colorimétrique? Tout simplement parce que toutes les espèces qui vont intervenir sont colorées à part une, l'ion Mn2+. Donc l'ion Mn2+ est incolore, l'ion MnO4- est violet, et l'ion Fe2+, comme vous pouvez le constater dans la fiole ici, il est vert. La réaction de titrage est celle-ci, donc ça se passe en milieu acide. On va fabriquer des ions Mn2+ incolores et des ions Fe3+, qui sont orange. Donc là, on va avoir une double indication colorimétrique, puisque les ions qui sont pour l'instant verts vont donner naissance à des ions qui sont orange. Les ions incolores, eux, on ne peut pas les identifier par nature. Mais surtout, lorsqu'on aura dépassé d'une goutte l'équivalence, la solution sera non seulement colorée en orange, mais en plus en violet. C'est-à-dire que, passé l'équivalence, le réactif titrant MnO4- n'étant plus consommé, il va rester dans le milieu réactionnel, dans le bécher, et on va voir sa présence grâce à sa couleur, tout simplement. Donc ici, une couleur violette. Donc, normalement, dans un premier temps, ça va devenir orange grâce à la formation des ions Fe3+. Et puis quand on aura passé l'équivalence une goutte trop tard, on verra le milieu se colorer en violet. Donc ça, c'est une règle importante, une règle d'or en chimie, c'est qu'on fait toujours un titrage à la goutte versée en trop près. Il ne faut pas dépasser davantage que la goutte étant le volume minimum que l'on verse en trop. On ne peut pas couper une goutte en deux. Donc, dans un premier temps, il est conseillé de faire un titrage rapide, c'est-à-dire on va verser sans prendre trop de précautions le réactif titrant pour voir à partir de quel volume ça change de couleur. Et après, on refait un titrage goutte à goutte plus précis pour justement déterminer l'équivalence de façon précise. Alors moi, ce titrage rapide, je l'ai réalisé au préalable. Donc je vais me contenter d'un titrage en goutte à goutte. Alors, ici, vous voyez que le permanganate qui est violet réagit immédiatement et ne reste pas dans le bécher, donc la solution ne se colore pas en violet. Par contre, on voit bien l'évolution de la couleur du vert à l'orange. Donc là, ça traduit le fait qu'on approche de l'équivalence. Et à la goutte près, il va falloir que je détermine, vous voyez, c'est de plus en plus orange, quand le permanganate restera et ne sera plus consommé. Bon, là, c'est de plus en plus orange. Donc on fabrique de plus en plus des ions Fe3+. Il va arriver un moment où on ne fabriquera plus d'ions Fe3+, on sera à l'équivalence. Et le permanganate versé restera en solution. Pour l'instant, il est toujours consommé. Voilà. Là, il ne l'est plus. Donc là, on a atteint l'équivalence à la goutte d'ion permanganate versé en trop près. Il ne reste plus maintenant qu'à lire et déterminer de façon précise le volume équivalent par une lecture sur la burette. Donc là, comme c'est foncé, c'est relativement facile. On est à 8,7 millilitres. Alors maintenant, on va regarder au tableau comment on va pouvoir déterminer la concentration en ion Fe2+ de la solution de sel de mort. Vous savez qu'à l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Donc, on écrit la relation de proportionnalité entre les réactifs, l'ion permanganate, qui est donc le réactif titrant,
et l'ion Fe2+ qui est le réactif titré. Donc NMNO4- divisé par 1 est égal à NFE2+ divisé par 5. Nous, ce que l'on cherche, c'est la concentration en ion Fe2+, donc on va devoir au préalable calculer la quantité de matière en ion Fe2+. Alors, on réécrit l'équation sous la forme NFE2+ égale, donc 5NMNO4-. Et là, l'avantage qu'on a, c'est que pour calculer la quantité d'ion MNO4- versé, on a accès à la concentration en ion MNO4-, donc c'est une donnée dont on disposait dès le départ. Et ça, c'est la mesure expérimentale du volume équivalent. Donc grâce à la formule N égale C fois V, on vient de déterminer expérimentalement V, on peut donc calculer la quantité de matière NMNO4-, et donc, grâce à la proportionnalité, celle en ion Fe2+. Donc ici, ça fait 5 fois 2, 10 moins 2, ça fait 10 puissance moins 1. Donc ça fait 0,1 fois le volume équivalent, qui était 8,7 millilitres. Donc 8,7 millilitres, c'est 10 puissance moins 3, fois 10 puissance moins 1. Ça fait donc 8,7 fois 10 puissance moins 4 mols. Donc là, on a déterminé la quantité de matière d'ion Fe2+ présent initialement dans la prise d'essai. Pour connaître la concentration, on applique exactement la formule C égale N sur V. Donc N Fe2+ divisé par le volume V0, la prise d'essai. Et ça, on le connaît depuis le départ. C'est ici. Donc c'est égal à 8,7 10 puissance moins 4 divisé par le volume de la prise d'essai, c'est-à-dire 20 fois 10 puissance moins 3. Donc, ici, ça fait 87 fois 10 puissance moins 5 divisé par 20, 10 puissance moins 3. Ce qui nous fait 87 divisé par 20, 4,3, 10 puissance moins 2 mols par litre. Voilà. Donc, en résumé, dans un premier temps, il faut écrire l'équation de titrage, faire apparaître la relation de proportionnalité à l'équivalence, et à partir de là, définir la quantité de matière du réactif titré grâce à la détermination expérimentale du volume équivalent. Une fois qu'on a déterminé la quantité de matière, pour calculer la concentration, il suffit de faire la quantité de matière que l'on vient de calculer divisée par le volume de la prise d'essai. Et nous avons la concentration en ion Fe2+ recherchée depuis le départ. Donc voilà le principe du titrage colorimétrique, c'est grâce à un changement de couleur qu'on arrive à déterminer le volume équivalent.